Préparez-vous! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages? Ton trophée est en pièces, paria! Il va t'en falloir un autre! Dernière, ma grande. Autant y aller en marchant, maintenant. C'est Bastouvala qui va gagner. Mais tu deviendras une brave, enfin, si tu termines. Attends un peu, là. C'est une très vieille piste. Il y a eu 2 morts ici l'an passé. Elle tombe en morceaux. Mieux vaut arriver dernière que repartir les pieds devant. Après ça, c'est encore pire! Seuls les poux prennent ce chemin! J'ai plus le choix, faut que j'avance! Ça suffit, arrête-toi! Non! Fais demi-tour et remonte! Je vois pas! Basse, Vala est juste derrière! Allez, Aloy! Plus vite, tu traînes, Aloy! Faut pas que je me relâche! La paria! C'est l'ancien chemin? Elle est folle! Parfait! Je gagne du terrain! La paria gagne du terrain! Comment elle a fait pour monter? La paria a triché! Comment une paria pourrait gagner l'éclosion? Impossible! Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave. T'as gagné. Tout comme vous tous, à condition de déposer votre trophée sur l'autel.
Mais c'est Aloy. Jadis paria. Désormais brave. Qui vous surpasse tous. Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent. Faut pas rester dans le coin. Là, c'est notre issue. On n'y arrivera pas sous les flèches. Ils tireront moins une fois mort. Essaie de les occuper. Moi, je les contourne. Bas, est-ce que t'es avec nous? Je suis avec vous. On y va, maintenant. Terminé ainsi. À l'attaque. Mais il y en a combien? Face, fillette. Oh.
Brûlez tout ça. Et remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Aloy. Aloy. Tu vas vivre. M'a sauvé. Ils ont dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Mais pourquoi y a personne d'autre? Où est-ce que je suis? Mes vêtements. Ouf. Mais où est mon focus? Voilà, ok. Mais... je serai dans la montagne sacrée? Mais... seuls les matriarches peuvent y entrer. Je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur... où est-ce qu'ils sont? Il faut que je continue à chercher. Ah, c'est pas ici que je vais le trouver. Ça sert à rien de rester là. Signal. Ça doit être le focus endommagé. Celui que j'ai pris au tueur, il est tout prêt. Ça ressemble aux ruines dans les... là, avec toutes mes affaires.
sortir. À tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec les Nora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Olin. Comment c'est possible ? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? Est-ce que tu es ma mère ? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? Alors, tu es réveillée ? Tu m'as amenée ici ? Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça ? À l'endroit où tu es venue au monde. Tu veux dire que je suis née ici ? Au cœur de la montagne ? Je préfère que tu vois toi-même. Pourquoi on m'a amenée ici ? Nous t'avons cru à l'agonie, et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyé. Ma mère est ici ? Je vais la rencontrer ? C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. Est-ce que ma mère me ressemble, mais avec des cheveux courts ? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Hein ? Mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée, où la toute-mère a vaincu le démon de métal et t'a donné naissance. Aloy, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde ? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau offert par la toute-mère en personne. Mais il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau, une malédiction. Mais... ce n'est pas une déesse... Aloy ! C'est une porte ! Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère ? Oh ! Attention, identiscan. La déesse, elle parle. C'est comme cette femme que j'ai vue.
Erreur. Registre alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non. Accès refusé. Non. S'il vous plaît. Elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre? Tu m'as parlé de vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Olin. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vu. Il vit à Méridian. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens, on va arranger ça. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revenue. Comment ont-ils été vaincus? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc, quel est ton plan? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais né et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Les autres hautes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Alors ça y est? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Aloy. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse? Ma sœur. Pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Aloy, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la Toute-Mère te protège et te sustente. Sois résolue. Je vais aller me préparer pour l'île. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tirsa, qu'est-ce qu'une chercheuse? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer.
ou plus tôt, s'il le faut. Alors, je peux vraiment aller partout, sans restriction? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées, loin de la Toute-Mer, ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Il y a eu d'autres chercheurs? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un? Non. Pas un chercheur. Mais qu'est-ce que tu me caches? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Qu'a-t-on fait du corps de Rost? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Pourquoi les terres hors du territoire Nora sont-elles souillées? N'est-ce pas évident? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la toute mère, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites? Ce sont des lieux malades, Aloy. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leur créateur. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leur péché. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la Toute-Mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Tant de gens ont souffert. Est-ce que je peux faire quelque chose? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la Toute-Mer a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est, et tu ne le sais pas non plus. À toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs? Oui. Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs? Non. Mais tu peux demander à Varl. Un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Parle à Varl. Il t'indiquera le chemin de Méridien. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Oh oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la Toute-Mère te bénisse et te protège. Fidèle Nora, nous allons commencer.